Fonctionnel depuis le mois d'octobre 2013, les deux navettes électriques remises par le groupe Bolloré à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sont appréciées par les usagers. Je pense que l'arrivée des bus électriques est une bonne innovation au sein de l'université. Je remercie pour cela même le ministre de l'Enseignement et aussi la présidente de l'université. C'est une très belle initiative. Et ce que nous déplorons, c'est que la capacité est faible et ça n'arrive pas à nous à couvrir l'effectif des étudiants. Pour rendre effectif ce partenariat, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties. Pour le groupe Bolloré, ce projet est en parfaite symbiose avec les ambitions gouvernementales. Il s'agit de faire des universités ivoiriennes de véritables institutions, alliant culture de l'excellence et protection de l'environnement. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est donc devenue le premier centre de recherche et promotion de l'excellence à bénéficier de cette technologie de dernière génération. Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique note avec satisfaction le bon début du projet. Il n'est point besoin de recueillir l'avis des utilisateurs du système des navettes ni celui des responsables de l'université pour conclure que le projet est une réussite. Le disant, nous n'enseignons pas que tout soit parfait. Mais seulement en voyant les bus circuler avec les étudiants et tous les autres ayant droit à bord, nous sommes tout simplement satisfaits avec à l'idée que toutes les imperfections éventuelles peuvent à tout moment être rattrapés. D'un coût global de 1,2 milliard de francs CFA, ce projet comprend plus des navettes électriques, des équipements de production et de stockage d'énergie photovoltaïque et d'un bâtiment de 200 m² entièrement alimenté d'énergie solaire.